Les amis, c'est encore vous. Eh bien, bienvenue pour ce nouveau numéro de tutoriel. Je crée mes pochettes d'albums métal facilement avec Monsieur K. Oui, précédemment, on en a vu des techniques pour arriver à mettre en valeur les éléments graphiques de manière à ce que ça représente quelque chose d'assez intense pour les gens qui écoutent du métal. Tuto, le tuto des pochettes métal. On a étudié le cadrage. On a étudié la profondeur de champ. On a étudié la mise en valeur des éléments. On a étudié l'improvisation totale. On a étudié également la lumière. Et donc aujourd'hui, eh ben on va voir ensemble ce que ça donne si on mélange absolument toutes ces techniques faramineuses pour créer l'ultime pochette d'album de métal. Tuto, les tutos de Monsieur K. Alors, où j'en suis concrètement? Concrètement, j'ai passé le labyrinthe qui n'en était pas un. Vous voulez que je vous fasse voir? Vraiment? Ok. Vous êtes prêts pour ça? On y va. Le labyrinthe qui n'en était pas un. Bon, en fait, c'était trois rangées, et puis voilà. Hein? Ok, bon, on y va. Est-ce que je suis plein en tout, moi? Ouais. Alors, normalement, je vais avoir des potes qui sont fans de Rammstein, ici. Et qu'il va falloir que je fasse péter très rapidement. Genre lui. Et il est pas tout seul, ce con. Et lui, il faut viser. Merde, j'ai entendu ce con. Ah, j'arrive pas à viser aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça reste le drame. Et il slalom le bouffe, regardez ça. Ah, c'était limite. Mais que vois-je? Encore un autre. Oh, je suis déjà mort là, mais pas tous deux. Ouf, celui-là je l'ai senti. Ça va peut-être se ravitailler les yeux. Salut. Je veux bien, voilà, mieux. Un autre truc qu'il faut que je fasse aussi avant de commencer le stream, que j'ai remarqué, je vous ai monté la gamme à trop haute. Et normalement, ce devrait être plus raisonnable, sans être mortellement mortel. Ah, lui, il va brûler, je crois. Petit. Viens voir papa. Attends, faut que je monte là-dessus d'abord. Oui, j'ai trouvé mes raccourcis, moi. Ah, putain. Je trouve mes raccourcis, mais je suis pas en forme. Là, hop, ça c'est check. Bon, c'est pas très gentil de s'en prendre à quelqu'un comme ça qui a pas de jambes, mais que voulez-vous. Tout le monde est au même niveau dans ce jeu. Par quoi je m'étais fait zigouiller la dernière fois, je m'en rappelle plus du tout. Oui, je dois vous avouer que, bah, vous le savez déjà, je chronique beaucoup de jeux en simultané. Et du coup, je jongle de l'un à l'autre. Quand il y en a un qui me gave en particulier, je ne nommerai aucun titre. Ça y est, tout est devenu évident. Ok. Bon, et bah, voilà. Et donc, du coup, bah, ça fait... 48 heures, ça fait beaucoup. Hein. 48 heures, ça me laisse le temps de jouer à beaucoup d'autres jeux. Je vais caresser ma plante. Toi, tu veux que j'aille plutôt par là? Ah, c'est qui, quoi? J'ai entendu grouiner. Faut surtout pas que je tire dans le truc là-haut. Pas par accident, faut que ce soit volontaire. Putain, mais c'est quoi? Ah, c'est le chien, c'est le chien. Putain de chien. Il faut que je fasse gaffe à la plante. Merci la plante. Attends, faut l'achever, il est pas fini, il finit jamais ce truc. Je suis prêt avec la bonne arme. Oh, comme il m'a ramassé. Donc voilà, j'étais mort à cause d'un clébard comme ça, je pense. Et ça va pas se passer comme ça, justement. Mais du coup, je l'ai pas vu venir. C'est ça qui est super triste. Alors, je vais laisser les plantes, dans le doute. Parce qu'on a eu... Voilà, bah, on a pas mal de candidats. Et ce serait dommage qu'ils puissent pas en profiter à leur tour. J'ai plus trop le commande dans les pattes, mais il y en a plus 10 000, hein, de ce que je me rappelle. On va se faire une petite photo, là. Non, je les flingue d'abord. Pff, le temps qu'ils arrivent, on peut faire la photo, les gars. Allez.
Allez, faut que je m'en occupe là. Ah bah non, ils sont tous morts. Ce jeu. Devrait y avoir un autre kleps dans le coin, je pense. On va le laisser faire. Hein. Il y a juste lui qui monte un peu. Mais lui, il va rien comprendre là-bas. Ouais, il va rien comprendre du tout, quoi, le gars. Je me recharge. Oui, c'est une très bonne idée. Je t'explique. Attends, je te pousse. Tiens, kill. Ah, il y a pas un chien par là. Si c'est encore un clébar, ça va être mauvais pour moi. Non, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Ça va être le Bronx. Ça va être le Bronx. Vous savez pourquoi? Juste parce que ça va être le Bronx. Je vais suivre les plantes. Hein. Les plantes, c'est mes amis. Les plantes, c'est sympa les plantes. Merde, c'est parti où tes trucs? J'ai pas suivi la direction. Je pense que c'est la pièce que... Il fallait pas que j'aille. Pourquoi je chuchote? Je chuchote pas, c'est juste que... Ah, regardez-moi ce gros machin. Ouais, t'es sûr? Ouais, t'es sûr? J'en étais sûr. Ils sont assez stressants ces clébards, c'est pas mal. Bah le premier, je me rappelle pas, hein, j'ai pas encore fait le montage de l'émission, mais le premier que je me suis pris, ouais, j'étais pas très fier. Pas fier du tout même. Je vais cramer ça d'avance, ça me fera plaisir, parce que je vois pas qui y a en dessous. Le terrain est équipé, hein. Regardez-moi ces grosses... Bon, je pense que c'est en bas, hein, de toute façon, que ça se passe. Je suis au taquet, on va en profiter. On va éviter de se faire des détours, là où il n'y a pas besoin. Là où il n'y a vraiment pas besoin. Je peux m'accroupir, je crois. Qu'est-ce que j'ai pris? Il y a un truc qui vient de se faire croquer, en plus. Ah, c'était un kleps. J'ai bien fait de les laisser. Que j'évite d'être trop bête. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Alors tout est lent dans ce jeu, c'est terrible. Et mieux vaut y aller lentement parce que c'est parce que mieux. Hop là. Ça sent le clébard. Dites-moi pas que c'est je reviens d'où je suis parti. Si, c'est exactement ce qui vient de se passer, les amis. Ah, petite pochette quand même, là, les gars. Ça suffit, assez joué. Suis la fumée. Ah oui, là ça monte, c'est pas du tout pareil. Profitez-en, c'est mon jour de bonté. Donc on a dit qu'on travaillait les éclairages aujourd'hui. Hein. Bon là vous pouvez faire un petit effet de focus aussi, ça peut être pas mal. Allez, on continue. C'était la séquence du tuto, les tutos de Monsieur K. On n'a pas fini hein, toutes ces pochettes de groupes de métal. Maintenant, il va falloir qu'on fasse les groupes. Hein. Je compte sur vous. Moi, je suis dispo. Hein. On peut faire ça en ligne. Il n'y a pas besoin de se voir ni trop de répéter. Hein, obligé, les gars. Quoi. Obligé, quoi. Obligé. Voilà. Faudrait que je change le nom du groupe de temps en temps. Ça, pareil, c'est un défi, vous pouvez relever sur Twitter, vous envoyez les suggestions de noms ultimes de groupe. Mais qui jouerait à la fois du black, à la fois du death, à la fois du doom metal. C'est important. C'est pour ennuyer une copine. Elle va me détester. Ah, un petit peu de monde, ça fait plaisir. Qui vois-je là-bas?
Je sais pas si c'est sûr que ça me fait plaisir en fait. On va voir comment on se présente le terrain. Je peux monter encore. Ça c'est quoi? Ça m'accable. Tu le veux, hein? Tiens. Gourmand, va. Hop, 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 rien de lui. Tire. Base. Oh putain, comment j'ai ramassé les amis. Il me faut une recharge là, c'est pas possible. Il reste quoi comme méchant? Des méchants méchants ou des méchants? Ils sont pas l'air trop méchants. Et juste lui là-bas, faut que je me méfie. Deux, pareil. Pour l'étage, c'est pas une petite recharge, hein. Faut que faire. Je prends. Toi t'as l'air gros. C'est ça, t'as visé à côté gros. Visé, j'avais l'occasion de faire péter son truc dans le dos. Et j'ai raté la feinte. Normalement le bruit, vu que c'est des couloirs et que ça résonne, ça aurait attiré les mecs. On a une sensation. Là si je tombe sur un chien, je suis cuit. En parlant de cuir, hein. Faudrait que j'enlève une plante là. J'ai besoin de faire une... Oh, il y a du monde en bas. J'ai besoin de faire une couverture d'album. Désolé, c'est pour la bonne cause. J'ai un tuto. Le tuto de Big Game Mosky. Regardez-le comme il est tout vénère. Mais tu crois que tu vas voir qui là-bas? T'enlèves des toiles d'araignée, bonhomme, c'est pas possible. À mon avis, je suis pas arrivé pour ce niveau. Ah, il y a encore du monde là-dessous, regardez. Et les gars, vous savez que vous allez être célèbre? Et oui, regardez cette photo, regardez cet éclairage. Ah, just magical. Et après, on prendra peut-être une autre avec la plante, si vous êtes très sage. Des flammes? Allez. C'est beau, hein. Le bon goût à portée de clic. Ah mieux. Oh là 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 là, vous êtes gâtés aujourd'hui. Faut que je change d'arme par contre parce que celle-là elle crade. C'est magnifique. Même la plante prend la pose quoi. On y va, j'ai dit beaucoup de conneries. Peut-être trop. Est-ce que je flingue tout le monde en bas? Ça sert à rien. Ça va pas me remonter la life. Pas de chien. Je veux pas le chien. Il y en a des plus ou moins cuits, hein, vous avez remarqué. Mais il y a bien du monde. Faut que je repère où c'est que je peux. Où c'est que je peux. Il y a ça à faire. Je vais là. Là, je suis safe en fait. Oh, putain, il y a un chien. On n'est jamais safe en fait. On va tenter ça. Cher, je vais pas moins cher encore. Heureusement que les deux là-bas ont pas inventé le tiède hein, parce que sinon je serais dedans. Quoi. Bon, ma technique a moyen marché faible, on va dire, mais je me suis débarrassé du chien à moindre frais par rapport à ce que ça aurait pu me coûter, j'imagine. Ça va pas le faire. Je crois qu'on a un incendiaire là-haut. Ouais. On va se le faire avec ça. Allez-y les gars. Passez là-dessous, c'est pas mal. Je vous fais voir. Hop. Hop. Ah, j'avais prévenu. Bon, maintenant, si vous voulez pas crever... Chino-technique, hein, entre nous. Voilà. L'autre là-haut, il va me gonfler, donc regardez-le comme il est énervé. Je sais pas sur YouTube. Il a l'air pas sympa. Quoi.
Ah, je suis coincé contre un truc, bordel de bite. Il me reste une merdouille. Oh là 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 là. Si je trouve pas de la lave, je suis cuit. Cuit. On va faire tout au lance-flamme, hein, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a du ravitaillement là-haut, comme par hasard. Alors, c'est un autre problème de ce jeu aussi, c'est qu'il est peut-être trop facile. Parce que j'aurais pas eu ça. Eh ben, je repartirais pas aussi sec en étant tout fier. Maurice, musique de guerre. Qui a cette particularité assez géniale de pouvoir être mis à l'envers et pas me faire le plein et être tout à fait compréhensible encore. Bon, bah on va tout toucher, on a la totale. Bip. Alors, j'ai même pas fait gaffe à quoi ça pouvait être relié ce truc, mais ça devait être super bien. Bip aussi. Oh, j'ai oublié, ça faisait ça. goût petit. Petit palais qu'on met dans une cuvette de chiottes. C'est original. D'accord, je monte. Hein, fais pas ton cake, il y a un endroit pour monter derrière. Oui, c'est pas mal le goût de pastille qu'on trouve dans les cuvettes de chiottes quand même. Hop là. Qu'est-ce que c'est civilisé, dis donc. Non, on arrête avec les pochettes, là, l'éclairage. Alors là, vous voyez, l'éclairage est parfaitement naze. Non, fallait mettre un éclairage latéral. Oh là là, putain, non, mais... Voilà, une photo de gâché. Un groupe qui attendra sa pochette de métal. Là, c'est pas loin d'être bien, là. Attendez, là. Et là, il faudra un format widescreen. Ça, ça rentre pas sur un format carré. Dommage. Format carré, on peut faire ça. Bon, je m'égare, hein. Tuto. Les tutos de Big Gameoski. Ils s'en foutent. Ok. Sérieux, les gars? Ils sont morts, vos potes, là. Bon, ok, c'est pas grave. Encore un plein. C'est chelou, c'est chelou. Eh ben dites donc, le garde-manger déborde, comme on dit. Allez, à la prochaine. Méfie-toi. Vraiment, je flingue ça là-bas. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est très beau. Il
il en demande beaucoup, mais il est comme tout le monde. Il meurt. Ça sent le clébard. Ça sent le clébard, moi je vous le dis. Alors, je suis pas loin de l'endroit où je dois aller. Il y a ces méga plantes au milieu, mais pour l'instant, je vois pas trop l'obstacle qu'elles représentent. Toi, tu m'emmerdes pas, c'est pas grave. On va faire le petit tour, tranquillement. Hop, on ramasse ça gentiment. Il devrait y avoir quelque chose à bidouiller. Quelque part. Non, pas besoin. La voix encore plus grave. Non. Bon. On sent super bien envolé, les mecs. Alors, il y a une nouvelle lettre de l'alphabet dans le coin, mais il va falloir la mériter, jeune padawan. Oh putain, ça fait être mauvais comme blague, ça. Oh, que c'est pratique, ces backpacks. Je sais pas du tout d'où ils sortaient. Bon, là, je crois que je vais être obligé de nettoyer quand même, hein, parce que... Comment dirais-je? Alors, cet interrupteur, qui a eu l'idée? Dénoncez-vous. Du West Nicht, hein. Du West Nicht, j'avais prévenu. Oui, je sais, c'est des souffrances, mais c'est comme ça. Et donc, ça va être l'heure de l'électrogène. Je pense qu'il va y avoir là derrière, par contre, ça va pas être drôle peut-être. On y va. Ouais, je veux bien mon lance-flamme, en fait, je l'aime beaucoup. C'est mon lance-flamme, c'est un peu comme mon Kamtar. Canaillou. On va faire une petite reconnaissance des lieux, tranquille. Parce que là, ils ont l'air super focus, les mecs au milieu. Je voudrais pas les déconcentrer pendant que... Ah, ça se désactive avec ce qui est au milieu, je pense. Un masque à côté, quoi. C'est pas plus mal. Doucement, faites pas de bruit. Je vous avais dit de quitter vos godasses. Ok, on va lui faire une blague. Vous êtes prêts? Comment ça marchera pas, mon truc? Regardez. Je peux pas sauter sur la rambarde, bordel de... Putain. Ah, puis il y en a deux là-bas, en plus. Ça fait beaucoup de monde, en fait. Bon, on va procéder avec ordre, discernement et envie de tuer. C'est dans un truc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème de clipping assez fabuleux, quoi. Genre celui qu'on rêve de ne jamais avoir. Toi, t'es... Regarde-le. Je vais te laisser pour l'instant. Reste du monde là-bas.
il n'y a plus personne. Pourquoi ça me fait ça? Ça, j'ai pas compris. On va charger d'abord. Ou que ça va aller mieux. Petit tableau. Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça. Non, je ne ferai pas la musique de tu, mais j'y pense très fort maintenant désormais à chaque fois. J'ai donc désactivé ça, et maintenant j'ai plus qu'à désactiver ça, et du coup ça va me désactiver plein de trucs qui me permettront enfin de savoir ce qu'il y a derrière ce couloir. Peut-être pas un chien quand même. Eh ben ça va. Oui, j'y vais peinard. J'y vais vraiment pépère. C'est... Il se passe quelque chose. T'as le temps de voir venir. Ça va bien. Regardez-moi les deux affreux là-bas. Donc ça, avant d'y cramer, je vais déjà m'inquiéter. Je dirai après. Je dirai après. C'est gentil, mais là, tout de suite, non. C'est temps les amis, enfin je sais pas si je peux vous appeler les amis parce que vous êtes quand même coriace. Bon, ça c'est check, maintenant je peux cramer ça. Pourquoi je l'ai pas cramé avant? Bah je sais pas s'il y avait pas une surprise plus ou moins mais surtout pas agréable en fait. Bon, j'ai préféré m'abstenir. Oui, j'ai sorti la grande voix des grands soirs. C'est pas possible. Là, on va se faire et couverture et musique, hein, les deux en même temps. Vas-y. Oh là 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 là. Bon, là, c'est symétrique, donc je vais redescendre de l'autre côté. Ça va pas servir à grand chose du coup cette affaire. Il y a donc un passage quelque part au Miox. Et là si je crame ça, je présume qu'il y a deux ennemis aussi. Hein, pourquoi il ferait pas de la symétrie tant qu'à faire des niveaux. ce jeu est une totale absence de surprise, hein, comme dirait Jack. Et donc là on voit la rébellion menant la jeunesse vers un nouveau futur, non sans avoir préalablement détruit le passé. Même pas m'en reste. C'était trop tentant, je suis désolé. Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Ben voilà, c'est ce que je cherchais. Du premier coup, c'est pas désagréable. Je vais te cramer par sécurité. Safety first. Et nous avons le cas, ce qui veut dire que cette peinture rupestre désormais est devenue évidente à décoller. Ah, j'ai un nouvel ami encore là-bas. Ah non, là il vient là, c'est moins bon. Faudrait plutôt l'autre version. Non, pas coucou. Coucou, pas coucou. Pas coucou. Il vient beaucoup là ou c'est mal? Je vais te saccager. Oh, que ça fait du bien.
Petit passage par là, je verrai après. Là, on a tout fait. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là-bas? Non. Parce que je vais me baigner. Ça me vend pas du rêve, là, les gars, tout de suite.